à tous les amis, c'est Thibaut et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous avez vu dans le titre de cette vidéo, nous allons parler d'un coffret collector qui est du coup Les Vieilles Canailles, le fameux live concert qui avait été enregistré et puis fait aussi également en 2017. Et voilà. Pour faire une part là-dessus sur ce fameux concert, donc il est sorti en beaucoup, pas mal de supports, donc le fameux coffret collector, la version Dishpack, la version Blu-ray, la version, quand je parle de Dishpack, il y avait la version CD et DVD inclus, et puis la version aussi triple LP, voilà, qui était sortie, et puis là on a le fameux coffret collector que je vais vous présenter. Et puis aussi, je crois qu'il y avait la version aussi CD Crystal qui avait été sortie de cet album. Voilà. Donc, magnifique concert avec Les Vieilles Canailles. Donc là, on avait Jacques Dutronc, Johnny et puis Eddie Mitchell. Voilà. Alors, donc le coffret a mis du temps à sortir puisqu'il est sorti en 2019. Il n'est pas sorti tout de suite après la sortie des Vieilles Canailles, la sortie du concert. Mais il est sorti en 2019 parce qu'ils ont mis beaucoup de temps en fait à contacter les labels et tout ça pour pouvoir sortir leur coffret collector. Voilà. Donc, c'est parti. On va commencer très rapidement. Alors, voici ce que le coffret contient. Alors, enfin non, pas contient, mais en fait, parce que j'avais l'habitude en fait de voir ce que contenait, parce qu'il y avait une espèce de photo avec, que j'ai d'ailleurs. Où là c'est marqué pas mal de choses. Voilà, donc moi j'ai le numéro 5096. Je ne sais pas si vous arrivez à tout voir. Voilà, il est juste là, 5096. Donc là on a une superbe photo des Vieilles Canailles, la scène et tout ça. J'aime beaucoup ce coffret collector en tout cas. Je vais vous montrer tout ça assez rapidement. Alors là on ouvre ça. Et donc là, on a. Donc moi j'ai mis sous blister, mais évidemment le triple vinyle. Et là on a le fameux feuillet sur lequel on peut voir tout ce que contenait le fameux coffret. Voilà. Donc là on avait l'édition triple vinyle, l'édition 2 CD plus DVD, l'édition Blu-ray, l'édition donc 3 tirages photo exclusif format A4. Le fameux pass pour la tournée des Vieilles Canailles. Et puis voilà. Donc super. Ensuite, nous avons donc le fameux pass. Donc très basique. Voilà. Donc le pass, c'est bien évidemment une réédition du pass qui avait pu. Voilà, c'est vraiment très très basique. Ensuite, nous avons les fameux. 3 photos, donc là on a Johnny ici, nous avons Eddie Mitchell, donc super 3 tirages photos sur papier glacé, et puis là nous avons le fameux Jacques Dutronc, vraiment très très sympa, donc vraiment des photos de superbe qualité, vraiment très très sympa. Ensuite nous avons le fameux triple vinyle, donc que j'ai mis sous blister. Par contre, il y a eu un petit problème par rapport au coffret. Enfin, au niveau du vinyle, c'est là, ils ont un peu. Voilà, ça a été un petit peu fissuré ici. Voilà. Donc là, on a vraiment toutes des musiques qui sont mythiques, que ce soit du côté de Eddie Mitchell, mais aussi de Jacques Dutronc et de Johnny. Donc là, pour Eddie Mitchell, nous avons On veut des légendes. Avec le fameux duo de Johnny, avec pas de boogie woogie, toute la musique que j'aime pour du côté de Johnny, le pénitencier Gabriel, tout ça, hein, voilà. Pour Jacques, on a les cactus et tant d'autres. Voilà. Donc, je vais vous montrer assez. Donc franchement, il est super pas mal, il est super cool. Donc là on a quelques fissures, bon voilà, c'est un peu chaud quand même. Et là nous avons les 3 sous-pochettes. Donc là on a la première,
La première sous-pochette, bon, elle est cornée, quoi. Elle est cornée, bon, c'est un peu dommage. C'est vraiment un peu dommage, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Avec le macaron qui est assez basique, qui est rouge, voilà, avec les labels, tout ça, c'est vraiment très très classe aussi. Vraiment sympa. Une belle sous-pochette aussi du premier disque avec Jacques Dutronc. Ensuite, nous avons bah, Johnny, bien évidemment. Bon, elle est un peu cornée encore une fois ici, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Sympa, sympa. Donc le macaron, hein, il reste toujours aussi simple, hein, rouge. Hein, voilà, ça change pas en fait. Voilà. Donc là, ce qui est marrant, c'est qu'on n'a pas les titres des musiques qui sont marqués sur le fameux macaron rouge. C'est assez marrant. Et là, nous avons Eddie Mitchell. C'est un peu corné encore une fois ici. Hein. Bon, c'est pas non plus si grave. Mais bon, avec la liste des musiciens, l'équipe technique, la production. Donc c'est vraiment sympa, sympa. Voilà. C'est vraiment très très sympa. En tout cas, de se posséder ce collector qui avait été comment dire, où le prix était plutôt justifiable pour une soixantaine d'euros, mais au moins on avait tout, c'était plutôt sympa. Alors attendez, je vais essayer de ranger ça dans l'ordre. Voilà, comme ceci. Hop là. Donc c'est une simple sous-pochette avec les fameux disques. Voilà, donc c'est vraiment sympa. Ensuite, nous passons avec le fameux Blu-ray. Donc le Blu-ray, bon, assez basique, hein, ça reste un Blu-ray néanmoins, voilà. Voilà, avec les fameux labels, les musiques et tout ça. Voilà. Et puis le fameux feuillet aussi. Voilà, une superbe image des vieilles canailles au centre. On a les titres des musiques aussi, c'est pas mal. Voilà, des musiques, voilà. Et puis là, on a l'image du concert aussi à l'arrière qui reprend la boîte du fameux coffret à l'arrière. Et puis là, nous avons le gros fameux dish-pack qui contenait dedans les deux CD. Et le DVD inclus. Voilà. Donc là, c'est plutôt pas mal. C'est vraiment pas mal. Voilà, c'est vraiment très basique. Je vous montre ça, c'est bas. Bref. Voilà. Donc c'est vraiment sympa. Franchement, ça pour 60 euros, c'est vraiment cool de posséder. Hein. Voilà. Le CD rouge. Le CD noir. Et puis là, il n'y a rien. De toute façon, c'est une image très basique. Et puis là, le feuillet qui reprend à peu près la même chose, sauf que le format est un peu plus grand en fait, par rapport au Blu-ray. Voilà. Donc voilà, donc c'est plutôt sympa de le posséder. Hein. Moi, je suis plutôt satisfait de ce coffret. En tout cas, j'ai pas eu de problème. Alors, pour ceux qui le veulent, ça va être très compliqué puisqu'en fait, il ne l'existe plus. En fait, ils ont plus du tout de stock. Enfin, ça a été limité à pas mal d'exemplaires, mais il ne l'existe plus du tout. Donc bon, c'est un peu dommage pour ceux qui, je pense, voulaient se le prendre. Mais néanmoins, vous pouvez quand même acheter. Le fameux triple vinyle, le CD DVD inclus, ou bien le Blu-ray encore. Donc ça vous laisse quand même pas mal de choses. Alors que bon voilà, le triple vinyle, il coûte une bonne trentaine d'euros. Le Blu-ray une bonne vingtaine.
Et puis je crois le CD DVD, bah pareil, 25, un truc comme ça. Donc bon, c'est plutôt pas mal, en tout cas, de posséder tout ça. Voilà, donc pour moi j'en ai fini par rapport à ce fameux coffret collector. Si vous avez aimé ce coffret collector, bah n'hésitez pas en tout cas à la liker, ça me ferait extrêmement plaisir. À la partager cette vidéo également. Et puis à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Voilà. Donc moi sur ce, je vous dis à la prochaine les amis pour de prochaines vidéos vinyles. Sur ce, je vous dis tchuss les amis.